Bonjour à tous et à toutes, c'est Rars et bien sûr on se retrouve donc pour tout simplement donc une autre vidéo sur l'1.9 sur le serveur Dissident World bien sûr. Je vous rappelle tout simplement que c'est un petit serveur privé. Voilà, ne demandez pas pour venir dessus. Faudra que je me fasse un custom pack 1.9, faudra que je regarde comment faire et tout. Après, c'est sûr que s'il y a un de mes abonnés qui me propose de le faire pour moi, je ne dirai pas non non plus. Voilà. Donc, je vais vous expliquer donc un peu ce que j'ai fait. Ça m'a aussi permis de remarquer d'autres petites différences entre la snapshot. Et puis aussi la 1.8, on va aller voir les lapins. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les lapins faisaient un genre de bruit horrible qui faisait flipper la plupart du temps. Et là, quand on avance proche des lapins, ils font plus vraiment de bruit. Des fois, ils font des petits squeak-quick, mais sinon, ils font plus vraiment de bruit. Donc ça, c'est un petit peu plus rassurant. J'ai aussi appris donc quelques informations sur le cheval squelette. Qui sont assez intéressantes. En fait, le cheval squelette spawn juste apparemment quand il y a de l'orage. Mais que dès qu'il a spawn une fois à cet endroit, il peut spawn d'autres fois. Voilà. Mais éventuellement, on ira aussi pour nous chercher un cheval squelette. Après, la plupart de mes usines marchent encore. Oula. Là, il y a un creeper. Sur le toit, donc je vais ramasser ça. Je trouve qu'on perd la bouffe assez facilement. Ouais, les mobs spawnent beaucoup plus facilement. Non mais tu sais pas viser. Bon, vous savez quoi? Je m'en vais. Donc ici, beaucoup de nourriture comme d'habitude. Je vais me prendre un peu plus de nourriture parce que ça part assez vite. Faudra éventuellement aussi qu'on continue l'écurie de ce côté. Voilà. Puis si, il y a notre petit truc à villageois. On va bien sûr s'en rappeler. Mais c'est ça, une autre nouveauté aussi, j'ai fait une petite excursion dans le Nether, je suis aussi allée un peu miner pour vous chercher quelques ressources. Donc, vous voyez clairement ici, je suis allée chercher un petit peu d'or et un petit peu de fer. Les melons, ça n'a rien à faire ici. Aussi déposer ceci ici. Là, c'est ça, je regarde, j'ai 5 œils fermentés. Je vais prendre les pommes. On va toutes les faire en pommes d'or. Voilà. J'ai pas mal utilisé mon or. Hop. Et oui, le brewing stand, il a un peu changé. Je vais vous montrer ça.
d'aller mettre le melon là. Avec nos petites usines qui marchent assez bien. Maintenant, vous voyez que le brewing stand a un peu changé. Et je vais pas le nier. Il faut mettre une poudre de blaze, donc je vais aller chercher un petit peu de blaze powder. On peut pas utiliser autre chose comme du charbon, ou voilà, ça c'est obligatoirement obligé d'être de la blaze powder. Donc ça complique un peu quelque chose dans le... Quand même dans le process de faire des potions. Je vais chercher de la netherwort parce que j'en ai pas. Donc on va aller à côté. On va aller chercher cette netherwort. Aussi hier en montant les chevaux un peu, il y a un bug des fois, on nous voit invisible sur le cheval. C'est un petit bug mais qui apparaît juste de temps en temps. Donc je pense qu'on aura le droit, malheureusement, à une 9.1, hein, je pense très bientôt. Parce que je pense qu'il y a quelques petits bugs à corriger. Voilà. Je vais donc tenter de faire des potions de faiblesse. Même si là j'ai un petit doute. S'il faut que j'efface un splash ou pas. En tout cas, on va déjà commencer à les faire normal, puis après je ferai une petite ellipse. Le temps de vérifier cela. Je vais également re-remplir mon coffre de fer. Le fer qu'on avait pas mal utilisé pour les fermes. En fait, je vous dis, le melon, on en aura pas vraiment besoin, mais on en aura besoin. On est quand même à ultra hardcore, donc à un moment, il faudra que je regarde pour faire des potions de soins de niveau 2. Oh mon dieu, ça fait un bruit chelou, ça! J'avais pas du tout le bruit de remplir une bouteille de verre. Ok. Donc, ben. Allons-y, on y va. Ça a l'air que ça utilise juste la poudre de blaze quand ça broue. Après, je sais pas si c'est pour faire une potion, on peut en faire plusieurs avec une poudre de blaze. En tout cas, je vous montre déjà cette différence. Donc là, on va faire de la Aquard Potion. Ouais, c'est bon. Ouh là, l'alambic qui fait des bruits, j'aime pas trop ça. Et là, on va y aller. Non, mais c'est quoi le... Bouhou. Allô? Non. J'ai pas du tout compris comment ça marche, cet alambic. Donc, je vous fais un petit ellipse. Ça me permettra de vérifier une information en même temps. Donc, je vous retrouve très bientôt. Salut, donc je viens de trouver tout simplement ma petite erreur, c'est pas quelque chose de bien grave. En effet, on n'a pas besoin d'accrued potion pour faire les potions que je veux faire, donc on y va directement avec des water bottles. C'est pas très très grave de toute façon, j'aurai besoin des accrued potions pour faire des potions de soins, bien sûr. Voilà, sont prêtes. Mais j'aime bien le petit bruit. Et faut les faire en splash. Donc j'ai en profité pour déjà remplir le coffre. Je vais en profiter pour prendre un petit peu de
ça. Et prendre une petite gunpowder, faire ses potions splash, en profiter pour donc faire du melon doré. Après, ça n'a pas l'air que j'ai vraiment d'autres glowstones, ce qui est un peu dommage. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, j'ai 3 potions de weakness. Je vais pouvoir procéder à la transformation de 3 zombies. Juste rapidement faire fondre ce dernier verre pour avoir d'autres potions. Je vais prendre les accords ici. Puis je vais me faire des petites popos de soins. Hop. Que je vais mettre en deux, bien sûr. Même si je sais pas si ça vaut vraiment la peine. C'est plutôt les pommes d'or qui sont nerfées que... Ouais. En tout cas, on verra ça. Ça a l'air qu'on peut faire plusieurs potions avec la poudre de blues. Hop. Je regarde juste un peu ce qu'on aurait. Je vais prendre quelques blocs, bien sûr. On va bien sûr déposer ça dans le coffre. Voilà. Puis j'ai aussi mes petites potions de heal 2. Au cas où il m'arrive un petit malheur. Ouais. Donc, première chose qu'on va faire, c'est bien sûr attendre la nuit. Le temps qu'on attend de la nuit, je vais voir si j'aurai pas un peu de blé. Pas du tout. Donc je vais récolter du blé. Je pourrais utiliser ma super machine, mais j'ai pas trop envie. Je vais reproduire les vavaches. Et puis ici aussi, on est en train de faire un truc. Je sais plus ce que je voulais faire par contre. J'en ai vraiment aucune idée. Je pense que je voulais mettre mes villageois là, après que je les ai reproduits, je sais plus. Ça, donc ici je vais prendre la blé. On va monter. C'est bon, la nuit va pas tarder à tomber.
Et puis voilà, nous avons une vache là-dedans. Et maintenant, nous allons aller à la chasse. Donc pour aller à la chasse, c'est très simple. Je m'équipe de ce que je vais avoir besoin. Je vais juste manger. Et allons-y. Donc c'est sûr que le plus proche que je peux les avoir, les zombies, le plus que je dirais oui. Parce qu'après, ça sera plus facile de les ramener. Donc je vais faire des petits tours. Et voilà, là vous avez pu voir un truc que je peux en taper plusieurs. J'ai des petits lags. C'est pas très appétissant, les petits lags. Je vous remontre aussi l'importance qu'on ne peut pas faire de spam click. Non, je sens que je vais mourir. Eh ben oui. Je viens de mourir. Mais la bande de squelettes qu'il y avait, je comprends un peu. Puis je suis quand même full diams, hein. Ça qui est un petit peu choquant. Bah, après, on est vraiment en hardcore, donc les mobs font le plus de dégâts possible. Je ne dirais pas non là-dessus. J'aimerais juste que... Oh, salut toi! Je t'aime, mais tu vas mourir. Très bien. Très bien. C'était très beau. Belle explosion de creeper. Sorcière, je vais éviter d'y aller. C'est la tour de Muis là? Non, elle veut tester les élytras.
dans un zombie. Et oui, vous avez remarqué, il y a un compteur de mort. Cherche vraiment pas à aller à très très loin. Moi j'avais vu un mini zombie villageois. Ok, on a du speed. Avec le beacon, les mobs aussi, ils ont... Nérite, toi t'es pas villageois. Donc je m'en fiche de toi. Voilà. C'est dommage parce que je suis pas optifine. Il y a certains zombies au loin, mais je peux pas vraiment déterminer si c'est des zombies villageois ou non. Et là, il y a le jour qui... Le jour qui arrive. J'adore. C'est excellent. Ah, c'est dommage. Voilà. Non, c'est bon, les potions de healing donnent encore la même chose. Après, l'histoire que les potions seraient stackables, c'est pas encore venu aux normes, ça. Mais faudrait, ouais, faudrait que je me tente certains CD à un moment donné. Regardez. Là, on va en tenter un. Non mais venez, 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 venez. Yes. Ouh, je viens d'avoir un CD. Ça, c'était trop bien. Bon, sinon, on a complètement manqué l'objectif zombie villageois. C'est parce que je voudrais en faire un avec vous. Et puis, je sens que ça risque d'être très très long. Ou pas.
Moi, on a eu un CD. Ça, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, parce que si je me fais un texture pack avec mes propres musiques de CD, ça sera assez sympa, on pourra à peu près toutes les avoir. Et donc, je ne suis pas contre. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse le temps que... Ben, vous savez, le temps que... Et que, bien sûr, la nuit, elle tombe, parce que j'aimerais vraiment faire un zombie avec vous. Et voir si on a un coup de peau dès le premier la première transformation ou si on sera obligé de passer par tout le cirque de reproduction. Donc ici. Mais il y a des petits veaux là-dedans qui vont bientôt être prêts à être flambés. Perso, je vais juste m'occuper d'un coffre. J'ai un coffre ici qui est le vrai bazar. Des arcs que je récupère qui servent absolument à rien. Là, on a du poulet frit Kentucky. Là, j'ai deux poulets qui sont pas cuits, mais j'ai un inventaire plein. Donc voilà. Et voilà. Donc je vous fais une petite ellipse le temps que la nuit tombe. Donc voilà. La nuit elle est en train de tomber. On va commencer notre chasse tout de suite. On va directement se promener autour de la propriété. J'attends des zombies qui viennent de spawn. Ça c'est fait. Toi, t'es un zombie normal. Toi, t'es une araignée normale.
C'est vrai que systématiquement, j'oublie que je peux bloquer des flèches avec mon bouclier. Ici, là, ça me fait rien, mais c'est le coin des creepers. Comme bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Ça peut être aussi les coins des witches. Faut faire attention. Oui, c'est normal. On s'entraîne à l'arc en même temps. Non mais vous êtes sérieux? Vous avez vu, il y a un creeper qui a spawn là-haut. J'ai mon zombie villageois, je suis désolée, je suis en extrême concentration. Viens-t'en ici. Viens ici.
Ok, là j'essaie de faire la contention de mon villageois. Non, non, ici dans l'eau, dans l'eau. Dans l'eau. Karl, tu vas aller dans l'eau. Pas d'accord. Voilà, j'ai un villageois. J'ai un villageois, donc bien sûr, je n'ai pas du tout de laisse sur moi. Mais ça, c'est un... Ok, c'est un travailleur de cuir. Mais... Wouhou. Karl. Je vais l'appeler Karl, voilà. Bon. Ben, je vais chercher la laisse. Et on va le ramener. J'en chercherai un deuxième éventuellement par mes propres moyens. Et le prochain épisode, ben, je crois qu'on pourra commencer la reproduction des villageois.
Et éventuellement regarder, parce que c'est vrai que je voulais faire un genre de réseau de salles. Donc, sûr que. Je vais regarder pour faire ça par la suite. Je pense que la 1.9, c'est une snapshot où il faudra mettre de l'importance sur les villageois. Ça a l'air plate, mais voilà. Donc, je vais prendre une laisse. Je vais aller chercher notre premier villageois qui est un travailleur de cuir. Qui a des trades intéressants bien sûr pour obtenir de l'émeraude. Donc je suis assez contente avec le premier villageois qu'on a eu. Donc. On va aller le chercher. Je pense qu'on va avoir du mal à le ramener. Enfin, quand je dis du mal, vous m'avez compris. Je pense qu'il faudra que je me prenne du bois, faudra que je fasse un petit pont en bois au-dessus de la rivière. Surtout se faire gang bang par les mobs. T'es sérieux? Pas t'attraper à la laisse. Si. Non, tu veux pas? Ouais. Très bien. Non, vas-y, j'ai aucun problème avec ça. Si je fais un bateau, par contre, tu vas vouloir rentrer dedans? Ouais, on fait un bateau. Wouhou. Allez. Dans le bateau avec moi. Vas-y. Ok, c'est bon. D'accord. Ça va être la galère. Viens. Non. Viens. Allez, va en haut. Va en haut. Va en haut. Monte en haut. Monte en haut. Monte en haut. Viens. Bon, en tout cas,
Je vais vous laisser là avec monsieur Villageois parce que je crois que ça sera tout un exploit pour le rentrer là-bas. Puis il va déjà presque faire nuit. Donc je vous laisse.